Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est avec la grosse Margot. On va faire une séance d'obiceps qui va commencer par des magnifiques tractions. Et ça tombe bien parce que Margot est particulièrement forte sur cet exo. Donc, sans plus de blabla, allons-y. Holy Jesus! What is that? Redescends, qu'est-ce que tu m'as fait? T'as cru que c'était à la natation? Avec tes mains, tu voulais faire la brasse? T'as fait la grenouille. Tu laisses ça combien? 25. Bah, faut pas oublier que je suis un gros sac à merde. Je t'avais pas dit de me retirer un poids. Ah pardon, excuse-moi, j'ai pas... Je croyais que c'était pour moi. Margot, t'es où? T'es avec moi dans non, la séance? Non mais c'est bon, j'ai capté ce qui... Huch! C'est bon? J'ai l'impression de faire une demande en mariage. C'est bon. T'es un mec un? Bon bah, mes aucun. Un bisou à ton nouveau cadeau. Oh, c'est trop gentil. Oui, il va se caca dessus. On m'a offert un zizi. Regardez. J'ose pas trop lui faire un bisou de près. Waouh, ça c'est un beau cadeau. Ok. Allez, mon deux-deux. Allez. Choc. J'espère que ça l'a capturé. Le moment épique. Nope. Où j'ai crié OK avec Margot à sursauter. OK. Ich. Allez. Yes. Bien. Allez. Bien, encore. Yes. Yes. Allez. Allez. Bien. Bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un peu le saumon tout à l'heure pendant ma série. Donc, quand je dis faire le saumon, c'est que j'avais mes pieds qui battaient un peu. J'ai l'air de quoi, moi? Putain, mais... Mais pourquoi? Tu sais combien ça coûte, un manier? Mais qu'est-ce que vous avez branlé? Mais c'est elle. Putain. Je l'ai trop mis. Mais comment t'as fait? Mais t'en as... Ça fait joli, non? J'ai l'air d'une guerrière. Exactement. Fais-toi deux marques, là. Bon, tout ça pour dire que j'ai fait le saumon. Et je vais essayer de corriger ça sur... Il y a plein de poussière. Bon, sur la prochaine, je vais essayer de moins faire le saumon. Comment tu veux que je sorte cette vidéo après? Mais si, regarde. Oh putain, regarde-moi toute la magnésie que t'as foutu pas. Qui c'est que... Je vais te filer à l'aspirateur. Ok. 1, 2, 3. Tu n'arrives plus à savoir si t'es noire, bronzée ou blanche, il y a... Ou moche. ou moche. Mais enfin, on est sûr. Oui. Un, deux, mets tes deux pieds. Allez! Bien. Bien. Tu pourrais parler? Comment je devine que je dois t'enlever le truc? Je la fais à vide, mais je prends un peu de repos. Tu dis que j'en fais combien? De quoi? De traction à vide? 15. 15?
Tu sais, je suis pas bon. Hein. Tu sais bien, Margot, que mon problème, c'est que je dure pas très longtemps. Tu sais bien que moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 5 maximum. C'est un powerlifter, ouais, c'est vrai. Peut-être 3. 10, 27, 11. Hey, j'en aimerais 15. Ah, tu vois, c'est ce que j'ai dit au tout début. Non, t'as pas, tu peux plus changer. Oui, t'as perdu, j'ai... t'as perdu. Elle va perdre. J'ai dit 15 et après tu m'as dit, je suis pas aussi rapide. Et oui. Pas aussi fort. Je sais plus, t'as dit un truc comme ça. C'était pour t'induire en erreur. Ok. 1, 2, 3. J'ai oublié. Margot, je suis désolé, j'ai oublié que t'étais là. Non, 15. Bon, après, les trois dernières, je suis pas sûre qu'on était. Tu veux qu'on regarde la vidéo? T'es bien de mauvaise foi. Mets ton élastique. Tu sais ce qu'on dit, Margot? Si tu mets un élastique... C'est que j'ai une petite bite. Comment ça, mon ref? Non, c'est que t'es trop grosse. Il y a au moins 2 kilos dans chaque chaussure. Tu crois que ça va te délester, ça? Oui. Bah, ça va le dire. Donc là, tu vas gagner au moins... 3 reps. 3 reps? T'en as fait combien tout à l'heure? 12. Enfin, donc, les deux, en comptant les deux dernières. Donc là, t'en fais 15? Non, 14. On va voir si ça pèse lourd. C'est quoi ça comme chaussure? C'est vrai qu'en vrai, elles sont lourdes. Hein. Ouais. Non, en vrai, elles sont lourdes. Ouais, vraiment. Moi, je dis, tu vas gagner 10 reps. Ah ouais, 10. Bon, allez. Ok. Bien. Encore. Bien. Encore. Allez, dégage les champignons. Encore. Wouah, bravo! 20 reps! Pareil. C'était vraiment. Non, mais sinon, il faut enlever un peu ici cette fois-ci. C'est trop dur. Les trois premières, je dis putain, j'en ai 20. Et en fait, à partir de la cinquième, je dis ah là là, j'en ai peut-être 6. Ah, c'est l'élastique, il te donne un faux sentiment de je suis fort. Il m'en reste une avec élastique. Ok! 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu fais avec tes pieds qui puent là? C'est pas très bien. C'est bon. Allez! T'as envie de la marque? Ah non, ça va me gratter, ça me tire la peau. Oui, je suis là. Allez, Margot.
T'as pas vu. Alors, si tu me dis « oh la vache », s'il faut que je le traduise sur « enlève l'élastique », j'ai pas fait Margot LV2, moi. Hein. Ah la vache, c'est horrible, comment je perds trop entre la première série et la dernière. Bah, en fait, si t'arrives pas à faire autant de reps, ça prouve juste que t'as suffisamment forcé sur tes premières séries. Donc en soi, c'est une bonne chose. Bon, on passe à la suite. Exercice suivant, chest supporté de row, toujours avec la petite indienne. C'est qui l'indienne? Bah c'est toi, t'as vu tes marques de... Je croyais que c'était un nom de machine, j'en fais rien. T'es sûr que les champignons que t'as mangés avant, tu les as pas fumés? Tu mets pas les bites? Non, si tu me la sors, c'est bon. J'ai confiance en toi plus que dans les bites, ça te fait plaisir? Oui. C'est vrai que ça te ferait plaisir. Ok. Margot, c'est quoi cette bite que t'as sur la tête? S'il te plaît, juste, regarde-toi dans le retour. Oui, sinon ça me gêne. Une tête de bite et une tête de blanc. Je peux te toucher le zizi? Margot, une de 10. Hein. Non. Mais je suis forte. On s'échauffe, hein. Oh, d'accord. Comment ça me chauffe? Mais dis-moi Margot, elle a bien voulu taper fort pour montrer que c'était léger, là. Exactement. Dernière de chauffe, là. 1, 2, 3. Ah, ok. Lock. Tu veux combien? 10-10. Quel petit monstre. Bien. Bien. On essaye un peu plus. Pour moi, c'était clairement ta série, hein, mais... Non, juste un petit 5. Par côté? Un blanc, non, juste un. Un 2,5 par côté, alors? Oui. Ainsi soit-il, nous respecterons ta volonté, Margot. Je fais ma série avant toi. Ah, tu veux la faire maintenant? Non. Bah, c'est moi qui vais la faire, là. Tu l'as fait avant? Oui. Si tu veux avoir une chance de que ça passe, bon, moi, je vais faire la gourmande. 1, 2, 3. Ok. Encore. Super. Encore. Lock. Bien. Merci Margot. Tu me l'as sorti à perfection. Mais je pense que j'aurais quand même été plus fort si tu n'avais pas été là. 1, 2, 3. Yes. 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 Encore. Je te l'avais dit, hein. Pour moi, ton poids, c'était 10 par côté. Oui, mais je me suis dit, ça manque de poids. Je lui ai dit, ça manque de cerveau là-dedans. Margot! Putain, mais t'as pété la machine! Putain, mais merde, quoi! Ça va être compliqué. T'en veux combien? 9. 8. 8, c'est bien aussi. Okay. 6, c'est bien aussi. Non, 8. 2, c'est bien. Non, 2, c'est mieux. Tu veux pas la faire à ma place? Ah non. Il faisait tellement du cœur. 1, 2, 3. Ah, ok. Encore. 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 Super. Encore. Encore. Allez, encore, tu l'as. Lock. T'avais dit 9, t'en as 10. Ouais, mais
En fait, je veux tellement que la séance se termine vite parce que t'es là que, pas pourquoi, j'ai été beaucoup plus fort. 1, 2, 3. Bien. Bien. Encore. Bah alors, on en chie ? Il faut être deux pour soulever la ferraille. C'est un peu... 1, 2, 3. Ok. Allez. C'est toi qui gueule aujourd'hui, comme t'as pas le fouet là, quand tu sais les chiens, comme les chasseurs font là, après leur mettre de chien. Ouais. Allez Denis, encore. Allez, facile. Facile. C'est facile. Super. Encore. Encore. Allez, encore. C'est bien. Lock. 1, 2, 3. Bah alors ? Tu me vois ? Je suis en train de mourir ? J'ai l'impression que t'es en train de regarder les mouches qui volent ! Alors non, je te vois, t'es en train de mourir. Je me délecte du spectacle. Je prends beaucoup de plaisir à te regarder agoniser. Et surtout à ne pas te venir en aide. Et comme ça, si tu meurs, c'était un accident. J'ai la preuve à la caméra. 1, 2, 3. Ok ! Attends, mais... rigole pas, mais... J'ai
partais alors. Mais j'étais en train de partir. Bon allez, on va voir gros Rems. C'est pour faire la sécurité. Yes! Yes! Encore. Yes! 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 Ainsi. Allez, encore! Yes! 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 Bien. Encore. Alors, je commence à te comprendre. Ça dit, arrête-moi, s'il te plaît. Il était comment celui-ci, Margot ? Génial. 4 séries, je pense, c'est le minimum. Je suis désolée, mais je suis pas en train de galérer avec le micro. Je sens plus, mais mon dos. Bon, allez, on passe à la suite. Prochaine exo, Margot, tu vas kiffer. C'est pas pour. C'est pas pour le dos. Si, c'est pour le dos. Bon, la première, je vais la sortir. Sinon, ton rôle, il faudrait que tu appuies avec tes deux mains et que tu pousses. Très bien. Tu peux essayer. Merci. Tu peux essayer dès maintenant, je pense. 1, 2, 3. Ouais, il va falloir s'entraîner. Oui, parce que là, c'est la première de chauffe. Hein. Oui. J'ai trop bouffé à midi, je me sens... J'ai l'impression que je peux vomir à n'importe quel moment, Margot. Tu peux te vomir dessus ? Non, j'essaye avec 25. Oui. 1, 2, 3. Alors, chose très importante. Oui. Tout le poids arrive au début. C'est pour ça que là, ça t'a paru dur et que d'un coup, ça t'a fait décoller. Bien, mets tes mains en prise neutre. Bien. Tu peux aller chercher une autre plaque de 25, s'il te plaît, Margot ? Tu es la petite fourmi, Margot. Tu dois ramener des plaques de 25 à la fourmilière. Petite fourmi. Ah, encore. Non, mais j'arrive pas à croire que c'est sans toi qui me fasse faire tous les tours. Margot, qui c'est qui m'a dit j'ai 500 steps aujourd'hui ? Regarde. Il est 17h. Combien j'ai de steps ? Ah ouais, putain. 23 000. Bah, hier, j'avais plus que ça. Parce que hier, j'ai fait 23,5 km en courant. Et moi, une fois, je me suis couché, il était minuit. Bonjour, comment j'étais fatigué après ? Et moi, ça veut dire que je peux mettre combien de plaques tu penses ? Toi, tu peux mettre à peu près ça, je pense. Tu penses ? Non. J'essaye 3 ? Vas-y, essaye 3. De toute façon, tu fais des tests sur moi. Bien sûr. Je te rappelle que je veux que tu meurs. Mon plus grand rêve, c'est d'être débarrassé de toi. Tu veux pas en mettre 4, finalement ? Non, d'abord 3. Non, 4, c'est bien. Non. La charge progressive, okay. Tu connais ? Et après, on ira faire du GM Press. C'est quoi ? C'est l'exo où tu descends là, tu sais. Ah oui, je suis trop forte à ça. Mmh. On va mettre 5 plaques calibrées. Et on mettra pas la sécurité en bas. Ah bah oui, et puis tu iras aux toilettes à ce moment-là. Ouais, bizarrement, j'aurais envie d'aller pisser, tu vois. Oups, okay. C'est un accident. Allez, Margot, compte jusqu'à 3. 1, 2,
Ok. Fais gaffe, ça va être excessivement lourd. Je lâche progressivement, d'accord? Bien. 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 Bien, encore. Eh, pas mal! Pas mal! Pas comme ça que je vais me débarrasser d'elle, hein. Merde. Ouh, je mets trois plaques! Allez! Tu viens de te faire claquer par le panneret. Bon, petite fourmi, j'ai besoin d'une plaque rouge, s'il vous plaît. Bon, petite fourmi. Oui. Elle va être très lourde. Oh là là, faut la sortir. Oui. Et faut que je t'aide à la reloquer aussi ou pas? Non. Attends. 1, 2, 3. Ok. Allez, encore. Super. Encore. Facile. Encore. Super. Un peu aussi, non? Pardon? Tu fous de ma gueule. Bah, je t'aide à décharger. Je vois pas où est le problème. T'as vu comment elle est lourde? C'est pas moi qui ai besoin de toutes ces plaques. Je vais te chercher une verte. Regarde, c'est moi. J'ai été te chercher une plaque de 10. Tu m'as enlevé 5 kilos et tu m'as remis 10. Et c'est qui te coltine les 25? C'est pas Bibi. Je vois pas de quoi tu parles. Allez. Fais ta 7. Allez, montre-moi ce que c'est qu'une une professionnelle. Faut honneur à toutes les années où tu t'es entraîné avec moi. Ouais, bon, bah fais ta série. Hein. Il est énorme. De quoi? Mon dos. Ah, je pensais que tu parlais de tes bourrelets. Allez! 1, 2, 3. Je lâche progressivement, ok? Ok. Bien! Bien. Encore. Ça m'appuie sur l'estomac. C'est quoi ce langage? 1, 2, 3. Ok. Encore. Encore. Super. Encore. Super. Encore. Putain, c'est encore moi qui fais tout, quoi. Toujours moi. Fais rien, elle. Bah oui, t'as enlevé le 5. T'as l'impression d'avoir participé? 1, 2, 3. Ok. Je lâche doucement. Bien. Bien.
Encore. Encore. Bien. Un, deux, trois. Ok. Super, encore. Super, encore. Super. Tu te rends compte que tu gonfles tellement tes joues, enfin tu gonfles tellement que quand tu fais... Et après comme ça t'appuie dessus, il y a juste un petit qui sort à chaque fois. Ah bon ? Tu l'entends ou pas ? Non. Tu fais... Bah je... J'entends pas. Peut-être mais que c'est... Vraiment, genre à chaque fois. Ça l'aura peut-être tué à la vidéo. Juste un petit. Et laisse-moi péter. Compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ok. Je lâche doucement. Bien. 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 Encore. Je t'ai laissé faire. Hein. J'allais la reprendre et je t'ai vu. J'ai dit vas-y. La moitié de moi, un millimètre. Ouais, mais c'est bien. C'est comme c'était la dernière. Je me suis dit que je pouvais vraiment, tu vois, genre flamber tout ce qui y est resté. On va refaire un exodo alors. Ah non. 21. 20. Lui, c'était juste du bonus. 1, 2, 3. Ok. Turbo salope.
rester 5. Oui, c'était génial. C'est la dernière fois que tu viens. Pourquoi ? Parce que les gens ne t'aiment pas. Bon, allez, sur ce, on va manger. Les gens ne t'aiment pas. Dans les commentaires si vous aimez Margot. C'est bien. Mais si vous aimez pas Margot, dites-le aussi. On vous en voudra pas. Bon, je viens juste de m'apercevoir qu'une grande partie du vlog, notamment de la fin du vlog, a sauté parce que le micro n'avait plus de batterie. T'as dû voir à certains moments, j'avais le chargeur de batterie externe pour essayer de sauver le truc, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, je vais terminer le vlog ici. Je suis attendu du coup pour manger. C'est pour ça que je me suis mis en turbo beau gosse. Enfin, pas trop turbo beau gosse quand même. Regarde-moi ça. On sort avec les claquettes Lidl. Toujours les claquettes Lidl, règle de base. Quoi qu'il en soit, pour terminer cette vidéo et comme d'habitude, si toi aussi tu veux atteindre ton meilleur physique, je te mets le lien du programme Prime dans la description. Et sur ce, moi je vais bouffer. Manger quoi ? Très certainement des petites lasagnes, mais des lasagnes qui passent dans la diète. Donc je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !